Bonjour Mathieu, vous êtes spécialiste de la commercialisation des céréales. Alors pouvez-vous nous dresser le bilan de l'année 2010 en récolte ? Bonjour Benjamin. Alors l'année 2010 a été marquée par une grande hétérogénéité des rendements, donc qui s'explique surtout par les conditions climatiques tout au long de la campagne. Par contre, il faut noter qu'on a eu une bonne année en termes de qualité, avec en moyenne des taux de protéines atteignant 11%, voire plus de 12% dans certaines régions. Quant au blé dur, et ben là encore c'est une bonne année avec un poids spécifique d'environ 80 kg hectolitres en meilleure.